Bonsoir, je suis Lord Poulpi. On se retrouve sur Firewatch. Oh, il y a un avion. Oh, il y a un avion. Ouais, je l'ai vu. No, I was just busy packing up. Mensonge. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Rololo. Is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Comment ça, de quoi, Brian? Ouais. Non, sur la personne qui nous surveillait. We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah. All we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look, I think whoever is out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah. Oh my god. Ouais, ça couine. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, I'll remember you. Oh, c'est mignon. Mais ça sent grave le piège, genre ça se met en route d'un coup comme ça. Attends, attends. Je le découvrirai, Delilah, là, au nom de la vérité. Bon bah c'est bon, je peux ramasser mon petit portrait. Là, alors la cassette, elle nous incrimine quand même. Est-ce que je fais pas mieux de la balancer dans le feu? Je dis que oui. Alors, on va tenter. Je suis sûr, on va tenter un truc. Bon, ça sent un peu la dernière vidéo, là. Hein. Vu l'ambiance apocalyptique, ils ont réussi à contenir 2% du feu. Ah, les pompiers! Tiens. Adieu! Adieu l'épreuve! Bon, la tortue. Tortue, on va pas l'acheter. On va lui sauver la vie. Est-ce qu'elle est là? Elle est vivante? Elle est bien vivante. Godez-moi cette petite bouille. Comment pourrait-on lui faire du mal? We gotta cheese it, Turt. Pourrait. Pourrait, mais non, on le fera pas. Les feux d'artifice, ils sont où? Ils ont disparu, c'est incroyable. On va prendre le whisky pour les gens qui vont nous sauver éventuellement. Ça peut servir, mais ça, c'est de l'essence. Oh, bon, ça, on va supposer que ça va cramer. L'émetteur. L'émetteur, je vais le garder, c'est une preuve qui n'est pas contre nous. Do you have any interest in any Brian's stuff? This map he drew, maybe? No. That's all right. You sure? Yeah, Henry. I'm sure. I don't want a dead boy's drawing. Eh bien, tu l'auras quand même. Ah, je peux pas le prendre. T'as de la chance. Ah, s'il fallait le prendre, c'est pas ce qu'elle dit, là. Bah, elle est trop bouleversifiée. Elle peut pas comprendre. Bon, bah, j'oublie rien, mon alliance. Elle est à mes doigts? Comment je vois mes mains? Je ne peux pas. Bon, ça suffit. Bon, ça suffit. Un petit tour de dernier tour. Voilà, voilà. Le papier toilette, on ne peut pas, on a dit. Ce qui est bien dommage. Ça pourrait servir. Pour se faire un masque ignifugé. Hein, tremper dans la rivière, s'en enrouler la tête. Et courir au milieu des flammes. C'est ça qu'on veut. Oh, les bonbonnes, là. Oui, bon, a priori, hein, la tour, elle va exploser. Hein. Si le feu arrive jusque-là, c'est bon. Du coup, j'aurais peut-être pas dû jeter la cassette en bas, en fait. On s'en fout. On trouvera jamais. Vieille cassette. Bah, va cramer. Tout va cramer. Et puis c'est tout. Oh non, l'ambiance, elle est magnifique. Donc il y a des canadaires quand même. Ouais. Bon, faut que j'aille où? La découverte de la vérité. Ah, ça pue le piège quand même. C'est genre, viens voir. Mais il faut. Il faut pour comprendre ce qui s'est passé depuis le début de cette aventure. Ah, bien sûr, il faut que je fasse le tour. On va passer par là. En tout cas, pas de fantôme d'Indien. Petite déception de mon côté. Hein. Ouais, je m'attendais à... Je sais pas. J'ai cru entendre des bruits de pas, mais non. Hein, c'est tout va bien.
quand même me taire, on sait jamais. Oh, je peux passer à travers les feuillages. C'est une belle avancée, ça c'est bien. Bon, il est où ton truc là? Ok, il est par là. Alors, je sais pas trop comment les deux incendies se sont rejoints par contre. C'était quand même loin l'un de l'autre. Pardon, je suis en mode paranoïaque, c'est une catastrophe. Ah, c'est le tronc, non, c'est pas le tronc du grizzly, ça. Pas du tout. Ah bah si. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north, far, past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Ok, poulette. On fait comme ça. Bon, je sortais ma carte, parce que là ça va pas du tout. Alors, où est-ce qu'on est? Ah ouais, mais on peut pas y aller là, faut faire tout le tour. Tellement proche, tellement tout fou là le truc. Je descends, hein. Ouais, faut que je descende, y'a pas le choix. On va enfin voir le visage de Delilah si tout va bien. Plutôt intéressant. Mais le verra-t-on? C'est pas sûr. Oh non, c'est pas sûr. Là, tout peut arriver. Tellement nous ne sommes qu'au stade des théories. Ah, il y a un petit chemin là, d'accord. Oh, alors là. Ah, une corde. C'est pas la mienne, ça, si? C'est pas une corde. Encore une cassette, c'est sérieux. Collier? Ah, collier avec un émetteur, d'accord, donc c'est ça qui fait le bruit. C'est un gros collier quand même. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Dans la gueule du loup. Ah bah y'a mon nom écrit dessus, j'ai même pas vu. Comme ça. Est-ce que j'ai mon super Walkman pour l'écouter? Ouais. Ah, c'est Ned, d'accord. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. Quoi? You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Quoi? We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin.
He was the one listening to us, just him. Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone, he doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. C'est un accident. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Donc c'était bien le père de Brian. Qu'on a vu dès le début du jeu. Avec la lampe. Alors pourquoi il nous écoutait? Bon, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix, d'accord? Bah dans ce cas-là, pourquoi... Pourquoi chercher la merde, j'ai envie de te dire, mon petit Ned? C'est quoi ça? I guess he's been dumping trash up here for a while. Bah c'est intéressant. Ouais, d'accord. Corde à linge. There's a clothesline. T'intéresses pas, Deila? Non, elle s'en fout, en même temps je peux comprendre. Il y a une trappe. D'accord. Alors, on y va. Pourquoi il dit qu'il était désolé pour ma femme? Comment il peut savoir? J'en ai pas parlé exprès avec, avec Delilah. C'est-à-dire qu'elle est morte? Elle est morte, Julia? Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Voilà. Info sur le site de recherche. Comment s'y introduire? Wapiti Station, clôture nord, entrée branlante, porte sud, retour du personnel le 10 août. Affaire, rendre l'équipement emprunté, effacer toute trace de H et D, ne laisser aucune trace. D'accord, il servait du campement pendant qu'il était à l'abandon provisoirement. D'accord. Livre de son fils. He held on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. He God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Pour un papa méga super génial. Je lui pique un peu ses souvenirs là. Une photo de Brian Goodwin déchirée provenant d'un dépliant de personnes disparues. Brian was a nice looking kid. Ah, un hélicoptère. Yeah. Ah, Delilah elle est pas bien hein. Delilah elle est pas bien. Ça n'arrange pas son état. Sac de couchage du camp des adolescentes, ouais. Alors pourquoi les faire fuir? Elle avait peur qu'elle vienne l'emmerder? C'est quoi? Winter Needs. Liste de provisions. Corde de bois, veste d'hiver. 55 livres. Nouvelle botte, scotch, c'est la peau des lents. Ah d'accord, il a rapidement leur équipement, quoi. Pour tenir l'hiver, d'accord. Voilà pourquoi il les a fait fuir et qu'il a piqué quelques-unes de leurs affaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Delilah, 43 ans. Alors ça c'est le même truc. Fiable sur la trice, perception fausse, on a déjà vu ça. Hein. Fait pertinent observer, pas grrr bordel. D'accord. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je le prends. Ça c'est moi donc. Sujet Henri, 39 ans. Caractère d'observation bordel, coupable. Coupable, ok. Je sens coupable. Ça c'est quoi ça? Lila. Ah d'accord, c'est vraiment des brouillons. En effet. En même temps c'est écrit dessus. Signalé. Ok. Sortir au sentier passif coupable direct. Pas d'enfant, a abandonné son épouse depuis 11 ans. Depuis 11 ans? Depuis 11 ans. Sérieux?
ne manquera à personne s'il disparaît. Depuis 11 ans. Ah, ils nous ont induit en erreur au début du jeu, quoi, avec les dates. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. Ouais, t'es plus là, toi, hein, c'est clair. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Mais t'as tellement raison, j'ai tellement envie de prendre des photos. J'ai oublié de prendre des photos. J'ai même pas pris la photo du cadavre de Brian. Je me suis fait la réflexion le lendemain. J'ai fait, oh, j'ai oublié. Voilà. Avant arrière. Toutes ces photos que j'aurais pu prendre. Journal radio. Journal radio. Alors, premier ranger à pêcher à la mouche au lac de G. Les temps frappent les arcs-en-ciel. Ok. Ah bon. Donc ça c'est moi. Vu de maman grizzly lors d'une marche matinale. Semaine pluvieuse, réserve d'eau bonne, fumée de la truite quand les randonneurs se sont absentés. Anniversaire de BG, de Brian. Vu le premier ranger de l'année. Pas quitté la base depuis 2 semaines. Je commence à perdre les pédales. Grande randonnée demain. Attention, nouveau poste d'observation à Twofork, Henry Twofork, ah non d'accord, c'est là que j'arrive, au mois de mai. Vu Twofork sortir de la grotte, Dee demande la liste des randonneurs, la faire patienter, elle oubliera. Dee demande la liste de faire patienter, elle oubliera. Moi pas comprendre, de quoi toi dire. Alors, marcher jusqu'à BT Point. Couper les coms radio. Dee n'a jamais rappelé pour la liste des randonneurs. Bricoler le Delano pour capter 2 fréquences. J'entends Dee et Twofork. Twofork a marché vers la grotte, a l'air moins intéressé. Twofork, Julia, ça c'est la nuit où j'ai déliré. Twofork est un type bien. Ouais. Pas vu maman grizzly depuis 2 mois. Dee est encore bourré. Pourquoi il. Dee n'a jamais rappelé pour la liste des randonneurs. Pourquoi il en parle comme si. C'est bizarre. Alors qu'il la connaît, il a bossé pour elle, donc peut-être qu'il fait des commentaires sur l'attitude que doivent avoir les autres rangers avec elle. Genre, si elle demande un truc, faut pas lui donner, elle oublie de toute façon. Peut-être qu'il se fait des petites réflexions tout seul, vu qu'il perdait un peu la boule. Je sais pas. Prenez une chambre d'hôtel. Ça, c'est pour nous, c'est, ouais, c'est quand même un peu chauffé. Moi, je suis resté stoïque. Rappel, départ des scouts pour cause d'incendie. Alors, Naz veut pas partir. Rappel, cacher les provisions par la migration. Dee et Twofork soupçonnent une conspiration. Drôle, mais légèrement sinistre. Attends. Observer, se tenir prêt au départ. Idée, commencer à travailler sur des rapports, enregistrer toutes les communications, vandaliser le poste de Dee, accrocher sur Twofork, essayer de fabriquer un dispositif d'enregistrement à distance, déplacer site de recherche universitaire un contre l'autre. Toi, il y en a bien parlé. Ou moi, il y en a mal lire. Moi, pas savoir. Ils vont pas tout comprendre. L'enjeu est trop élevé. Personne ne croira que Brian était heureux. Rendre Dee et Twofork moins crédibles. Twofork fou? Non. Comme sa femme? Pas du tout. Pas un type bien. Ah bah, que j'ai fait. Un mangrisier est de retour. Ils m'ont entendu. Ça, c'est quand il a fait ses bruits de casserole et qu'il a éternué, là, ou il a toussé. Je sais pas ce qu'il a foutu, là. On l'a grillé. Il croit qu'il y a un programme. Utilisez ceci. D'accord. Rapport définitif. M'assurer qu'ils vont les trouver. Donc, c'est ce qu'on a trouvé dans les campements. Enfin, dans le truc à Wapiti Station. 16 juillet. Twofork a failli m'attraper sur le site. Ouais. Les rapports ont fonctionné. Appel enregistré, utilisé pour faire pression. La cassette qu'on a trouvée sur notre porte. Twofork a trouvé des provisions. Comment? Bah. Je sais pas. Après le. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Clé disparue. Ouais, d'accord, ça c'était ton sac à dos. Peut pas laisser Twofork trouver Brian. Trop tard. Trop tard. Twofork, il a peut-être 9. Je vais me faire manipuler la gueule. Mais il a trouvé ton gamin. Eh ouais. C'est qui le génie? Il a une radio base station up here. He was listening to us on that. Bon, on a perdu Delilah, c'est officiel. Elle est en dépression, stade 8. He had quite the view. Ah! He could see my lookout. Il pouvait me voir danser, quoi.
Bon bah voilà. Prendre une photo, tiens, moi j'ai envie. On va prendre une photo. Voilà, content. Je suis bien content. Bon bah maintenant il faut se barrer d'ici, hein. Hop. Donc c'est lui qui a fait... Ouais. Alors que je réfléchisse après coup, je pense, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés. Je vois pas pourquoi il est venu... Bah, genre sa radio qui traînait par terre, là, quand il nous a assommé. Pourquoi? Il était parti faire pipi, il avait laissé sa radio par terre allumée? Oui? Non? Je ne suis pas d'accord. Et surtout, à quoi sert cette tortue? Hein? Ça aussi, c'est très important. On va voir. Ça ira peut-être... Hop. Bon, maintenant faut qu'on s'enfuit. J'irai bien, vous savez quoi, j'irai bien prendre en photo le corps de Brian. Ouais, juste pour sécuriser des fois qu'on se fasse interroger ou je sais pas quoi après coup. On a quand même une preuve qu'il y a un gamin mort quelque part. Hein, ça peut tout servir, si tout crame. Alors, attendez, est-ce qu'on est loin de la grotte? Donc faut que j'aille tout au nord. Il y avait un truc aussi là. Il dit où c'est où la petite station là, je suis perdu, ça y est. C'est plus sur la carte. Ned Goodwin comme. Je suis perdu. Non, Wapiti c'est carrément là, d'accord. Oh là 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 là. Bon. Je vais faire un peu de randonnée. Avant de partir. Je vais aller juste voir. Je vais te faire une coupure, je pense. Je vais juste aller. Ah, je sais pas, merci. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid with a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. Oui, mais pas toi. Ouais, you'll let it go, and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave, because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. Ouais, c'est pas bête. Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey. Ah. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Ouais, j'arrive. Je... Okay, one second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think... I'm gonna go with them. Bah d'accord, tu m'abandonnes. Ouais, hein. D. What if they don't come back? Garde le contact. They'll come back. That's their job. Just what if we missed something about something, I don't know. Henry, you're tired. There's nothing big going on. They'll come back for you. Just wait. I'm gonna go. Okay. If you have to. I have to. Hike safe. Ah, par devant, Delilah. Bon, comme vous avez pu le constater, je fais des choses très intéressantes. Je voulais juste aller voir ce qu'on avait coupé un arbre là avec la hache près de Wapiti Station. Et je n'avais pas traversé. Donc je vais quand même aller voir des fois qu'il n'y ait pas un truc, truc à regarder ou je ne sais quoi. Mais non, apparemment ça sert juste à que dalle vu qu'on en descend là. Ça ne sert à rien.
Très bien. Oui, je disais donc, avant que Delilah ne parle, je pensais peut-être faire une coupure et aller prendre en photo le cadavre de Brian. Ouais, si, j'ai envie de le faire, quand même. Mais là, en même temps, il vient de me dire que, en gros, elle risque d'avoir des emmerdes si on... Voilà, si on dit que Brian a été trouvé mort dans une grotte. Qu'est-ce bien raisonnable? Hein? Je pense que oui. Faut que la vérité éclate. Donc je vais aller prendre le corps de Brian en photo. Donc je vais faire une coupure. Ouais, je sais, j'avais dit que j'en ferai pas, mais je vais en faire une. Parce que là, ça va vraiment être trop long. Et on se retrouve pour la grande évasion. Où je vous emmène avec moi. Hein? Je vous emmène avec moi. On va voir. Si c'est pourri, je couperai. Ah, ça va être génial! Chut, regardez. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Regardez comme c'est silencieux. Oh, on n'a pas vu d'ours, au fait. On n'a pas vu d'ours. Est-ce bien raisonnable? Surtout que Ned, dans ses notes, il dit qu'il y a une maman grizzly qui se promène. Est-ce qu'on va pas tomber dessus? Et elle servait à quoi alors cette cabane abandonnée aussi là? Il y a des trucs bizarres, je vous le dis. Ah, on entend. On entend les hélicoptères. Allez, je suis dans la grotte. Hop, la porte est encore ouverte, c'est parfait. Deh. Où suis-je? Ok, faut que j'aille plein d'heures. Mission accomplie. J'ai pris Brian en photo. Maintenant, je me dirige vers le nord et je vais aller voir vite fait la cabane. Enfin, la cabane. La petite maison, là. Voir... c'est bizarre qu'il s'y soit rien passé, quand même. Voir si Ned y est pas, après tout. Pourquoi il irait pas se planquer là-bas? C'est un peu grillé comme... c'est pas une cachette du coup. Et puis en même temps, la forêt crame. Ce serait une idée de merde. Mais on n'est pas à l'abri. Non. Voilà, voilà. Il y a quand même... cadavre. Il y a des mégots là aussi. C'est lit brûlé, non, c'est pareil, tout ça. Le vieux poêle, il y a toujours rien dedans, je suppose. Ah! Un raton laveur! Ah putain, j'ai eu peur! Ah. Il est bien fait de venir! Putain. Eh, je me suis quand même tenu, hein. J'ai pas crié. Je suis fier de moi. J'étais tellement surpris que. C'était interne. Bon, au moins, j'ai sauvé un raton laveur. Bon, sinon, il serait mort, vous vous rendez pas compte? Il serait mort, le pauvre. Bon, bah, y a rien, du coup. Mais je me souviens pas qu'il y avait autant de clopes là par terre. Bon, sûrement que si. Je pense pas que ce fût le dîner de Ned que nous venons de libérer. D'ailleurs, c'est une... Bon, je vais dire c'est une ancienne tour d'observation, mais pas du tout. C'est une cabane, hein. Ah, c'est carrément une cabane. C'est bizarre, cet endroit, quand même. On n'avait aucun commentaire de Delilah, genre... Non. Bon, allez. Il suffit. Il est temps de sauver notre popotin. Nord, 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 nord-ouest. Nord, nord, nord. Ouais, ouais, c'est bon ça. Hop là, plein nord. Go. J'ai dit plein nord. Parfait. Ah, tout va bien. Bon, on a vu un raton laveur. Hein, on a vu un élan au début. Ou un cerf. Non, c'était un cerf. On a vu un cerf au début. On a vu un raton laveur. Et on a vu une tortue. Alors, on n'est pas mécontent. Pas de grizzly, apparemment. Tant mieux. Je me demande ce que va être la fin, quand même. Est-ce qu'il va se passer encore un truc ou... A priori non, hein. Ned n'est pas agressif. Il vous a dit au revoir, quoi. Il foutait-moi la paix. Mais
C'est pas là que je veux aller, putain, faut faire tout le tour. Que dalle avec cette fumée là. Par où ? Je vois pas les avions. Voilà, ça va être par là. Pour prendre le raccourci. Maintenant qu'on a la hache. Le raccourci. T'es parti où là? Ok, si c'est par là. Sacré ronce. Hein. Très bien. Je fais des photos souvenirs. Donc Delilah est partie. Oh, faut que j'aille voir, hein, le chemin qui mène à sa tour. Je suis jamais allé voir, voir la feinte qu'ils ont mis pour pas qu'on y aille. Ah bah il y a le téléphérique en même temps. Oui bon faut croire qu'il n'y avait pas de téléphérique. Bon d'accord, c'était notre destination. Il est content. Il n'y a plus personne. Bordel. Ah je suis tout seul. Ah mais le feu il a pris de l'autre côté aussi. A traversé le ravin. C'est possible ça? Oh là là. Ah oh, puis c'est pas un téléphérique ça, c'est que ça. C'est un téléphérique fait main par les scouts. Oh. Ah, très bien. On va voir chez Delilah. Proposer faire une super révélation dans sa tour quand même. Have a good time. Y a rien. Elle est classe sa tour. Bon on voit que dalle mais elle avait la meilleure vue je pense. Ah bah, c'est clair, elle était en hauteur et voyez tous les alentours, t'en vois rien. Ah si hein. Ouais. Bon, on va prendre une photo de ça, ce que je fasse. Bon maintenant. Alors, est-ce qu'on va voir si elle nous a dans la peau ou pas? Est-ce qu'elle a fait des dessins de nous? Normalement, oui, elle a fait un dessin de nous d'ailleurs. Stratagème de Lucien. Intéressant. Utiliser. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut appeler les secours? Hello, is anybody there? Ah, Henri, c'est moi. Hi. Yeah, it's me. Ah. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Quoi? Red, Colorado plates. Yeah. Hmm. It's a piece of shit. Ah oui, d'accord, mon camion du départ, je me demande de quoi parler. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Dans les pompiers.
Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Viens avec moi. Non. Ouais, tiens, un petit peu d'humour ne fait pas de mal. Well, you could always go take over the crossword at the New York Times. Oh yeah, I could probably fall right into that. New York, big city. Couldn't be further from here. I've never been. Well, when I end up out there. Yeah. So, what about me? Jeez. Well, you should probably put that typewriter to good use. If you ever decide to write about this, I'd really appreciate it if you gave me a sexy accent or something that, you know, would play well in the movie version. All right. I'll see what I can do. Maybe get a dog? Hold on. Let me write all this down. Whenever the season's about to wrap up, I usually find myself thinking... And when I get back, I'm gonna call him. You know, casual, and just see how he's doing. Javier? My ex. That is, I'll say something like, hey, I had a dream about you this summer and thought I'd call. You know, something that lets him know that I want him without letting him know I want him. Yeah, whatever you do, don't do that. There's the helicopter. Now land back where you hiked up. Good luck, Henry. Ah, c'est bon, je vais avoir le temps de récupérer mon super dessin quand même. Thanks, Delilah, I appreciate it. I mean it. Good luck. Thanks. Bon, on verra pas d'il est là. Bye, Hank. L'hélicoptère est là. Ce furent des adieux. Tu t'écrases pas, hein, tu déconnes pas. Ça me le faut absolument. Blanc et porte des shorts. C'est pas très ressemblant. En même temps, vu ce que je lui ai dit, on peut le comprendre. La tequila, hop. Il faut pas gâcher. La pomme, on va manger, ouais. Prendre des forces après tout ça. Allez, on mange tout. Même les pépins. Qu'est-ce que je peux voler encore? Je crois que ce sera tout. Il n'y a pas de tortue, là. Non. Et non. Allez, c'est l'heure de partir. Attends, mais on ne voit pas, il doit être là, normalement. Ah, elle a une chaise et des jumelles. Comment? Elle me matène, hein? Belle photo ça. Tchac. Ça se termine comme ça. Most of all, I just don't wanna be free.
babe. Yeah. Revealed the tears that was on my face, yeah. Ooh. And babe, babe, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away, see you walk away from me. Et voilà, c'est fini. Eh bien, finalement, pas de conspiration alien, pas de conspiration du gouvernement américain non plus. Pas de zombies, pas d'indiens. Non, juste un homme qui a perdu son fils et qui a, par la même occasion, complètement perdu les pédales, j'ai l'impression. Parce que son plan, honnêtement, pour nous tenir à l'écart de la grotte, j'ai pas bien compris sa logique. Parce qu'il nous a un peu rendu tout fous tous les deux, donc... Il voulait nous mettre sur une autre piste, sûrement. Ouais, sûrement. Sauf que bah, il a oublié son sac avec les clés à 50 mètres de notre tour. Pour accéder à la grotte. Bah, je sais pas. Je sais pas. Hein. Je pense qu'il faut tout mettre sur le compte de sa folie. C'est plus simple. Si vous avez pigé le truc en commentaire, n'hésitez pas à partager. Hein, ou des explications éventuellement. J'ai pas relevé tout à l'heure, mais... Comment, quand on a lu les rapports, enfin ses rapports à lui, là, quand il raconte un peu son journal intime, là, c'est lui qui coupe donc les fils de communication. Hein, c'est pas les deux pisseuses, les deux campeuses, là. Il essaie de les faire accuser en mettant des canettes de bière partout. C'est pour ça qu'il y en avait autant, d'ailleurs. Ah, il sait plus ce qu'il fait, le mec. Hein. Ah, il met 15 canettes de bière, elles sont deux, quoi. Mmh. Non, non, non. Bon, par contre, le coup de Julia qu'on a abandonné il y a 11 ans. C'est peut-être une faute de frappe, je sais pas, parce que ça fait qu'un an qu'elle est en maison, et puis de toute façon, quand on part, c'est sa sœur qui nous offre la machine à écrire. Enfin, c'est la même année, quoi, elle nous offre la machine à écrire pour qu'on se mette à écrire un petit peu, pour penser à autre chose, et puis c'est quelques mois après qu'on se décide à prendre le poste de gardien de feu de forêt. Donc je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Hein, pareil, si j'ai été bigleux ou quoi, ou si vous avez pigé, n'hésitez pas à m'expliquer. Et au bout du compte, on avait fait... avec une abonnée, avec Clem, on était un peu partis dans des théories dans tous les sens. Et ben finalement, non, il n'y avait rien de tout ça. Hein. C'était très simple. C'était très simple, c'était juste un homme en souffrance et pas de violence, pas de, qui veut juste la paix, quoi. Voilà. Et Delilah et Henri partent chacun de leur côté. Je sais pas si on aurait pu la faire venir à boule d'air. Je sais pas, de toute façon, il n'y a pas vraiment de fin. On ne sait pas ce qui se passe après dans tous les cas. Donc voilà, on ne sait pas ce que devient Julia. Je pense qu'elle est en vie. Hein, mais ça resterait des points à éclaircir, je pense. Enfin, en tout cas, finalement, malgré la paranoïa qui vous prend au cours de la partie, finalement, il n'y a rien, finalement. Et ça, c'est assez fort. Hein. Quand j'ai vu, je ne vous cache pas, quand j'ai vu l'écran noir contre mon hélicoptère, j'étais un petit peu dégoûté. J'ai fait, mais c'est ça la fin? Et alors, je sais pas si c'est la musique et les petites photos. Une petite photo de Brian et de son papa. Je me suis dit, finalement, c'est une bonne fin. Ouais. Finalement, ça remet les choses en perspective, peut-être. Hein. Et c'est juste une histoire. C'est juste une histoire. Voilà. Une histoire humaine. Oh, c'est beau. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!